Après des émissions consacrées au consentement sexuel puis médical, nous nous tournons vers le consentement tel qu'il est appréhendé pour la protection des données personnelles. À l'heure de l'essor du big data, que l'on peut traduire en français par l'expression données massives, la place qu'occupe le consentement pour la protection des données personnelles fait l'objet de nombreux débats. Qu'il s'agisse de lancer une recherche sur un site internet, de télécharger une application ou de partager du contenu sur les réseaux sociaux, le consentement est constamment demandé par les opérateurs. Il s'agit là de la mise en œuvre de règles issues de trois sources clés. La première, c'est la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978. C'est une première initiative française dans la matière et qui a notamment créé la CNIL, la Commission nationale Informatique et Liberté. Ensuite, c'est la directive Vie privée et communication électronique du 2 juillet 2002, qui a été modifiée en 2009 et que l'on surnomme directive Cookie ou directive e-privacy. Elle traite des règles en matière de traceurs. Enfin, et c'est sans doute le plus important en la matière, c'est le RGPD, le Règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016. Ce dernier pose une définition unique du consentement en la matière. Il s'agit de toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque, par laquelle la personne concernée accepte que ses données à caractère personnel fassent l'objet d'un traitement. Une donnée personnelle, c'est toute information pouvant se rattacher à une personne physique, identifiée ou identifiable. Il faut entendre cette notion de données personnelles de plus en plus largement, en ce que les capacités d'analyse de données et notamment les techniques d'inférence permettent un rattachement croissant de ces données aux individus. Ainsi, le RGPD institue le consentement en tant que base juridique autorisant le traitement des données personnelles. L'idée du dispositif est simple. Si le responsable, une entreprise par exemple, peut démontrer de la part de l'internaute qu'il a consenti à l'usage de ses données personnelles pour une finalité déterminée, le responsable est en conformité avec le droit des données. Si le dispositif démontre une maîtrise de l'individu sur ses données personnelles, un empowerment, certains dénoncent un phénomène d'épuisement du consentement, le rendant impropre à assurer la fonction que le droit lui attribue. C'est l'idée selon laquelle l'internaute, dont le consentement est ardemment cherché par les opérateurs, accepte sans considération des conséquences que pourrait avoir un traitement des données personnelles quant à sa vie privée. Les débats actuels sur la proposition d'un nouveau règlement e-privacy montrent toute l'actualité sur cette question. Le règlement vise à apporter des modifications à la directive Cookie de 2009 et envisage la possibilité pour l'utilisateur de donner son consentement par le biais d'un système de liste blanche. De l'ensemble résulte l'importance primordiale de la question de consentement numérique aujourd'hui. Je vais commencer par préciser ce qu'est une donnée à caractère personnel. Donc c'est une information qui peut être apportée à toute personne physique identifié ou identifiable. Et un traitement de données à caractère personnel, en fait, c'est toute opération qui s'applique à ces données personnelles. Et ça peut être assez varié. En tout cas, il y a toute une catégorie d'opérations qui sont considérées comme traitement de données à caractère personnel, que ce soit la collecte de données, la structuration de ces données, les croisements de données, l'accès à ces données ou la consultation, ou encore la diffusion et la divulgation. Ça couvre un champ très large d'activités et qui est ensuite encadré en droit au niveau européen par le RGPD, avec deux grands principes qui sont la licéité, loyauté, transparence de ces traitements. Ça, c'est le premier principe. Et un autre grand principe, c'est la limitation des finalités. Et finalement, nous, en tant que régulateurs, ce qu'on entend, je veux dire, de façon générale, comme traitement de données à caractère personnel, c'est donc une opération, comme je l'ai décrit avant, qui s'applique à des données à caractère personnel. Une opération pour une finalité qui doit être déterminée, précise, une finalité légitime, et qui doit se fonder sur une base légale. Une des bases légales qui est prévue par le RGPD, il y en a 6, et l'une d'entre elles, c'est le consentement de la personne concernée. Nous, ce qu'on dit aussi, et ça c'est une doctrine qu'on a développée aussi au niveau européen, donc entre les CNIL européennes, avec des lignes directrices spécifiques au consentement, et ce qu'on dit déjà dans ce document, et d'ailleurs sur tous les documents qui concernent les bases légales, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de hiérarchie entre ces bases légales. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, plus protectrice que l'autre. En fait, c'est avant tout au responsable du traitement de lui-même faire son analyse et de déterminer quelle va être la base légale la plus appropriée à l'opération de traitement qu'il envisage de mettre en œuvre. Donc ça, c'est la responsabilité de la personne qui va traiter les données, du responsable du traitement. Ensuite, effectivement, il va falloir, en fonction des conditions et des circonstances, déterminer quelle est la plus appropriée, la plus à même de protéger les données des personnes. Il peut y avoir effectivement des cas où un responsable de traitement
ne mènent pas la bonne évaluation et finalement ne fondent pas son traitement sur la bonne base légale. Est-ce que ça veut dire qu'ils cherchent à contourner ou pas? De toute façon, c'est le cas d'espèce qui aussi nous permet de l'évaluer. S'il y a eu une intention délibérée d'échapper à certaines obligations ou si au contraire, c'est plutôt un manque, on va dire, d'évaluation des conditions du traitement qui font que peut-être le responsable du traitement n'a pas choisi la bonne base légale. Le consentement n'est pas toujours la base légale la plus appropriée. En général, on considère qu'il faut que pour qu'on puisse fonder un traitement sur le consentement, qu'il y ait une réelle possibilité pour l'utilisateur de choisir, qu'il soit dans des conditions de pouvoir effectuer ce choix librement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a effectivement tout un débat sur la fatigue du consentement. Qu'est-ce qui peut éventuellement créer cette fatigue? Ce qu'il faut regarder, c'est notamment les conditions de recueil de ce consentement. Est-ce qu'elles sont claires et lisibles? On peut aussi aller voir du côté du legal design ou de l'ergonomie, la façon dont on demande le consentement aux personnes. Est-ce que ce n'est pas aussi un facteur qui va créer cette lassitude ou fatigue? Ou est-ce que si au contraire, on prévoit des dispositifs plutôt clairs et on va dire intuitifs qui permettent aux utilisateurs de comprendre clairement quelle est l'action qu'il y a à faire, est-ce que là, on ne trouve pas une solution pour rendre le consentement effectivement plus protecteur ou plus effectif? Il y a plusieurs conditions à la validité de ce consentement. Il doit être notamment libre et surtout aussi éclairé. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas uniquement propre à la fois à la base légale consentement, mais ça se rapporte à d'autres obligations dans le RGPD, notamment les obligations d'information. Donc en fait, il va falloir une sorte de conformité globale pour que la base légale en elle-même choisie, en l'occurrence le consentement, soit valide. Ce qu'on fait nous, vis-à-vis des acteurs, justement pour les accompagner, il y a plusieurs choses. Mais d'abord, au niveau européen, donc avec le RGPD, on a une doctrine commune, donc on a développé des lignes directrices justement sur l'ensemble de ces éléments. On a des lignes directrices précises sur le consentement, mais on a aussi des lignes directrices spécifiques sur les obligations au titre des articles 12, 13 et 14, sur l'information aux personnes concernées. Et en respectant ces obligations-là, les responsables du traitement peuvent aussi assurer que leur consentement est effectivement bien éclairé et valide dans ces conditions de recueil. Ce qu'on fait aussi à la CNIL, c'est des aspects peut-être un peu plus pratiques, notamment sur le legal design. On a aussi un service qui est chargé plutôt de la prospective et de l'innovation. Donc, il y a des travaux aussi qui ont été menés sur ce sujet, avec aussi des sites dédiés pour finalement aussi impliquer les développeurs assez tôt, notamment quand on parle d'environnement en ligne, dans le développement de ces environnements, dans l'ergonomie, qui va permettre justement un recueil effectif et les conditions valides de recueil du consentement. Il y a eu un impact du RGPD, à la fois donc au niveau même du public, des utilisateurs, mais aussi des entreprises. Ça, c'était un des premiers effets, c'est un effet de remise à niveau ou mise en conformité, il y a eu beaucoup d'efforts. Ensuite, sur la question des sanctions, en tout cas pour la CNIL, les sanctions, ce n'est pas un objectif ultime auquel on pense tous les jours. C'est, on a une stratégie qui est double, on a l'accompagnement des acteurs et puis ensuite aussi une partie répressive pour faire en sorte qu'il y ait bien des garanties en termes de mise en conformité. Des sanctions effectivement sur des grands acteurs, sur des grands principes, y compris le consentement. Ce qu'on remarque aussi, c'est que ça peut aussi avoir un effet sur d'autres acteurs et pas uniquement sur la société qui va être visée. C'est-à-dire qu'on voit aussi finalement à la suite de certaines actions répressives, et pas uniquement des sanctions, mais ça peut être des mises en demeure, qu'il y a une adaptation de tout l'environnement et des acteurs économiques finalement, un alignement par rapport à ce que la CNIL aura pu demander à la suite d'une sanction qui est adoptée à la contre d'un acteur précis. La notion d'efficacité est toute relative. Ce que je veux dire, c'est que je pense que ça donne une garantie et un engagement de la part des sites internet, mais ça ne garantit en rien le fait que les sites internet en question utiliseront ou non vos données à des fins qui outrepasseraient tout simplement le consentement que vous avez donné. Le fait qu'il existe actuellement sur le web un certain nombre de blogs de développeurs indépendants et spécialistes qui sont allés vérifier à plusieurs reprises que certains sites, et pas des moindres, hein, des sites très importants sur le marché de l'e-commerce ou même des médias, déclarés être conformes RGPD, ne serait-ce que pour l'hébergement et les sous-traitants et les cookies tiers. Et il s'avère qu'en faisant une analyse sans être très poussée, on s'aperçoit qu'un certain nombre de cookies en fait, ne respectent absolument pas ce qui est déclaré lors du rôle de consentement qui est proposé à l'internaute. Voilà. Tout simplement. Donc non, l'efficacité, non. Je pense que d'une façon générale, ça a un effet bénéfique sur le marché, en cela que des sites qui ne le faisaient pas précédemment vont prendre l'engagement de respecter les règles édictées par le RGPD. Mais
ça ne va pas forcément éviter que certains moutons noirs continuent, ou tout simplement de façon involontaire, parce que parfois la technique est on peut être débordé par la technique et les cookies et les différents, notamment je pense aux cookies tiers, les cookies publicitaires qui vont être délivrés sur l'ordinateur de l'internaute par le biais de scripts. Qui ne sont pas toujours maîtrisés en fait par les sites. Donc parfois ça peut être involontaire aussi, voilà, tout simplement. Donc je pense qu'il va y avoir un effet bénéfique qui garantira à l'internaute de pouvoir mieux se défendre en cas de litige et probablement aux sites qui n'auront pas respecté volontairement ou involontairement les règles de devoir rendre des comptes, tout simplement. La plupart des sites que vous allez trouver sur Internet sont des sites qui ont un coût et qui doivent donc justifier d'un certain nombre de recettes pour pouvoir fonctionner. Quand je dis la plupart, c'est la plupart des sites, mais il y a certains sites évidemment qui sont fournis pour le service public, par l'État, etc., et qui ne sont pas donc tenus à une rentabilité. En revanche, la plupart des sites médias, par exemple, ou des sites d'e-commerce, eux, ont un business model qu'ils doivent assurer, et pas forcément dans un but 100% profit, mais c'est tout simplement aussi pour fournir du contenu de qualité ou des interfaces de qualité qui permettent d'être efficaces pour donner à l'internaute le service qu'il attend, tout simplement. Et ça a un coût, et ce coût-là, il doit être payé par des recettes. Or, aujourd'hui, sur le web, quelles sont les recettes possibles pour un site qui se lance, que ce soit en site de médias en ligne ou e-commerce, je prends ces deux-là parce que ça couvre 90% de l'activité. C'est tout simplement la monétisation de son espace, d'une part, ou le fait de pouvoir, vendre des services de façon plus efficiente, c'est-à-dire soit vendre un peu plus à moins de personnes, soit vendre un peu moins, enfin, soit sur le volume, soit sur la qualité, tout simplement, et pour assurer un service optimal, voilà, tout simplement. Donc, pour atteindre cet objectif, il est primordial de devoir connaître son audience. Ça, c'est la première des choses, parce qu'un site, qu'est-ce que c'est? Un site Internet, c'est la rencontre d'une audience et d'une offre. Or, l'offre, pour qu'elle s'améliore, ou pour qu'elle soit optimale, il faut que, comme ça existe dans tout lien économique d'offres de services ou d'offres et de demandes, il faut que la société qui offre puisse connaître son client ou son prospect. Et pour ce faire, ce qu'on a sur Internet, c'est des possibilités qui ont été démultipliées par rapport à l'ancien commerce, je dirais, dans la vie réelle. C'est la possibilité de connaître très, très précisément les habitudes de consommation, les habitudes de navigation, des informations qui peuvent effectivement relever des données personnelles, que sont catégories socio-professionnelles, le genre, l'âge, la géolocalisation, l'endroit où ils habitent, où ils travaillent, enfin bon. Pourquoi est-ce que ces données ont de la valeur pour le site internet? Tout simplement parce que ça va lui permettre soit de parfaire son offre, de développer son offre, de mieux cibler en fait les choses qu'il a à vendre, que ce soit des produits ou des services à son futur client, ou bien dans le cadre d'un site média par exemple, qui va fournir plutôt de l'information payante ou pas, de pouvoir fournir à ses internautes précisément le type d'information qui les intéresse le plus. À la base, ça permet d'avoir avoir une meilleure connaissance de son client, c'est tout simplement pouvoir lui donner un meilleur service ou un meilleur produit. La troisième catégorie de l'utilisation des données, c'est effectivement la publicité, la monétisation publicitaire. Dans la mesure où on connaît tous depuis 96-97 un web qui est par définition même hypothèse de départ gratuit, on n'est pas habitué, nous qui avons une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, nous ne sommes pas habitués à devoir payer pour avoir de l'information de qualité sur Internet. Or, je peux vous dire, ayant travaillé pendant 10 ans dans un grand groupe média important, que l'information de qualité, ça a un coût de production, voilà, tout simplement. Et ce coût de production, il n'est pas toujours senti par les utilisateurs. Donc, pour éviter, pour faire passer cette pilule entre guillemets, mais continuer à payer comme il se doit le journaliste et faire vivre sa famille, etc., il faut générer de l'argent par la monétisation de l'espace, donc par la publicité, et cette publicité est de plus efficace et se vend mieux dès lors qu'on a une meilleure connaissance de l'internaute. Tout simplement, si vous êtes passionné de modélisme ou d'histoire, par exemple, et que vous venez sur le site, vous serez plus à même d'être intéressé par des offres qui concernent le modélisme et l'histoire plutôt que le savon ou les parfums. Et pour savoir si vous êtes plus intéressé par l'histoire et le modélisme que par les savons ou les parfums, eh bien, il faut que les sites internet collectent des données sur votre centre d'intérêt, sur votre navigation et peut-être aussi sur votre CSP, sur vos données personnelles, etc. Donc voilà les trois utilisations et la nécessité, elle est une nécessité économique. C'est si demain on coupe tout simplement la partie qui permet de monétiser en termes de publicité un site internet, ce sera moins grave pour certains sites internet, typiquement des sites d'e-commerce comme Amazon, ce sera moins grave pour eux, mais pour des sites médias comme Libération, Le Monde, Le Figaro, etc., ce sera une catastrophe.
Parce que si on fait ça, le chiffre publicitaire va s'écrouler. Parce que les annonceurs, eux, ont l'habitude de travailler avec les GAFA. Et les GAFA leur donnent des publicités très peu chères, extrêmement efficaces. Et les sites médias ont beaucoup plus de mal à faire ça parce qu'ils ne sont pas spécialisés dans l'agrégation et l'utilisation des données personnelles. Voilà la justification de l'utilisation des données personnelles, tout simplement pour essayer de continuer à faire croire à un web gratuit, tout en continuant à payer pour produire des contenus ou des offres de services de qualité.